Bienvenue sur Contact Pro Live, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et merci encore d'être nombreux à nous suivre sur cette émission. Nous sommes vraiment très ravis et nous sommes très contents que les émissions passées depuis le début de cette année, vous ne cessez que de me critiquer, vous ne cessez que de nous envoyer des avis et considérations. Vous aviez aussi adopter une attitude de partager cette émission. En tout cas, je suis très content. Merci à tout ce beau monde. La semaine prochaine, je vais lire certains de vos emails que vous m'aviez adressés et que vous aviez donné aussi des solutions pour la République démocratique du Congo. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons toucher quelques points que nous sommes dit. Pour na kobongisa mboka oyo, il faut vraiment de la volonté politique na kozwa ba mesure drastique parce que la plaie est tellement béante que ezama kasi pour na kozwa solution na mboka oyo. Alors, notre émission, nous ne faisons pas que dénoncer, mais nous proposons aussi des solutions. Nous nous adressons aussi à ceux qui ont le règne du pouvoir, notamment au président de la République, aux députés, à tous ceux qui ont... quand vous me suivez, je ne dénonce seulement pas, mais j'essaie un peu d'apporter ma pierre pour la reconstruction de notre pays. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections.net. Affaire 12 millions, Mboso Kodia répond à François Zekouye. C'est en exclusivité. Et puis, la libération du DG de l'OVD et de la Sokoka, un mauvais signe pour la lutte contre la corruption. On va sur actualité.cd. Des milliers de réfugiés centrafricains fuyant la violence sont arrivés au nord Ubangi. Le AT du territoire Yakoma alerte sur leurs conditions déplorables. On va sur Congo profond, un seul titre, diplomatie, les officiers saoudiens à la porte de Kinshasa. 7 sur 7 parle de Tambwe Mwamba, les procédures d'arrestation cavalière des élus du peuple ne contribuent pas à asseoir l'état des droits prôné par le chef de l'État. On termine par Radio Okapi. Nous avons un titre aussi ici, Nord Kivu, marche des femmes de Butembo contre l'insécurité à Beni. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro, au revoir. Alors, nous voici maintenant dans la partie de notre émission. Il y a d'abord des questions que nous allons nous poser, mes chers amis. Tokomi tunana nous ba question oyo puis totala ndengeni ni tokoki kopesa pe ba point de vue na biso. Le grand point que nous posons aujourd'hui, notre président de la République a dit qu'il a besoin absolument d'une majorité au Parlement. Alors, Tozo Yebate, après la rupture à FCC Cash, il y a un programme qui est parce que le programme qu'ils avaient exposé à la population, donc au peuple congolais, n'a pas été vraiment clair. Il y a un c'est ça qui a été vraiment donc transfert à pouvoir d'abord pacifiquement. Ça, c'était un acquis qui a été fait. Donc, mais maintenant, dans l'exercice à transfert à pouvoir, tant que le programme est en mariage, c'est pour cela que le président de la République s'est dit que non, il a rompu cette union. Donc, Alliance Wana FCC Cash. Maintenant, est-ce que vraiment
Toko lobe la pe lisusu likambo ba ekole militaire, toko lobe la pe likambo ya quelles sont les solutions que nous allons apporter pour que mbokango e banda ko dekole. Mes chers amis, parlons-en un peu. Na likambo nanu ya parlement. Na kotie la bino moi texte, disons moi vidéo mon président Félix. Que il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Si nous voulons réellement mettre la paix, à définir, biso penser à l'union sacrée et l'ingikolobanini. C'est de récupérer les gens qui ont travaillé avec Kabila, qu'on récupère Batouba travaillé dans Mobutu, ou bien y a l'inga créer une nouvelle génération politique. C'est là le problème. Ce qui est Zali qui a l'inga créé une nouvelle génération politique, Azan a droit à recruter une nouvelle génération politique et à fonder la Bango Congo et Sika. Mais ça pose un problème à la députée, si majorité faut... parlementaire, c'est ce qui pose. Non, je vais vous dire, que cette majorité parlementaire, Nganasina Pessa déjà méthode à quoi néantir cette majorité parlementaire qui sans droit. Donc sans bruit. Il y a façon à quoi néantir Bango sans beaucoup de bruit. C'est-à-dire, vous comprenez? Des solutions au parlement? Non, papa. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave sinon, il dissout les... est-ce qu'il sera le premier président à Moukile qu'on dissout de l'Assemblée? Il ne sera pas le premier. Mbongo oyo to tia lelo pour que tu élire ba président à bureau. Mbongo to tia lelo pour que tu formes gouvernement. Mbongo to tia lelo pour que c'est l'argent on peut organiser les élections au Congo. Il ne faut pas qu'on puisse craindre aujourd'hui en disant que non, si le président dissout l'Assemblée, c'est-à-dire que tu as une élection à président, c'est une à César ou Kouta. Non, mais c'est ce qui va tout. Quand nous sommes au bas, s'il vous plaît, la loi était claire. Oui. Les élections jumelées à la même date ne veut pas dire que les élections sont portées au même bulletin. Puisqu'il y avait les candidats à la présidence, il y avait les candidats à la nationale. Ok, donc les candidats à la nationale, Bazalaki, n'a même caution que le candidat à la présidence. C'est là où il y a la différence électorale aussi. Donc ils ont même élection T. Puis c'est plus on a président, il faut quand même caution T. Très bien. Vous comprenez? Qu'on ne nous amène pas dans les confusions. Le président Félix ne sera pas le premier à dissoudre l'Assemblée. Ça, c'est un confrère, j'espère qu'il ne va pas me tenir compte. Ezaki, Ezape, acteur moko politique, à l'obaki, à ngoke. On ne peut pas faire confiance à des vieilles outres. Donc, batu oyo basala na Mobutu, batu oyo basala na Kabila, batu oyo bazako continue koya na FCC cash wana, na nani na union sacrée wana. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes gens qui viennent adhérer à une idéologie oyo ezali clarté, idéologie en weza nini. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que le Congo nouveau eza? Congo ya sike eza ya ndenge nini? Est-ce que Congo ya sike koza la constituer na batu ou le même personne, avec la même philosophie? Parce que batu wana baza koya, beaucoup de gens viennent, ba ou baza présentement ici. J'ai entendu parler que Mutmoko, un journaliste aussi, un confrère qui disait que non, batu oyo bazaka kawana ne mutu bakosala bakozala ko changer mentalité. Je ne crois pas. Biso batu toya awa na étranger, nous excellons dans ce que nous faisons. Ba congolais awa na Afrique du Sud, soki azo sala musala bokoyo kaka ke ba sud-africain bazo kumisa ba congolais. Pourquoi? Parce que les structures sont là. Ba makamu nyonso eza clair. Comment est-ce que nous pouvons implémenter cette histoire-là chez nous? C'est ça la grande question. Pour que bagarre de fou ezali, nous ne pouvons pas tout simplement compter avec les bonnes volontés que nous. Ngai na komisko na bonne volonté que na koyiba lisusu te, parce que nazalaki muyibi sikoyo na komi nana. Il faudrait qu'il y ait des garde fou. Pourquoi il y a des prisons? Pourquoi il y a toute cette structure-là? Bandeko, pays na biso eza ko décollé à cause de, justement de cette histoire-là, en disant que non, ce sont les hommes. Ils ont la bonne volonté, tu vas changer ma mentalité. Ça ne marchera pas de cette façon-là.
point qu'il faut total à to yebake. Jamais mboka oyo eko bongaka soki kaka makambu oyo ezali sur place ki moyibi eko sila na ministère affaires étrangères te mbongo oyo batu baza kofuta na ba COVID, tout le monde se plaint mbongo wana ezokende wapi qu'est-ce à l'état est-ce que l'état ezalaka na ba compte ebele ebele regardez ce qui se passe dans les régions ba gouverneur ba koma ko créer ba compte donc on peut créer n'importe quoi. Chaque fois le président a Monica Kakeringe Sale Maboete a créé structure Moussousou qui vient oh non structure anti-corruption. Et ça le même système que Tobandaka Nango parce que l'élection fait ça les mêmes à la bien. Non, créons encore Commission nationale indépendante. Pourtant, c'est ça, mais ça là, il y a oh, ça, le ministère intérieur. Pourquoi ne pas. Pourquoi est-ce que Bissou a Congolais tous a qu'on évite la vérité? Et loko oh, ce que tous ont évité en haut, et qu'on pense à kaka que tous ont qu'on ne kaka na bokoi na bozangi a mayele. Et puis nous appuyons ça avec les intellectuels qui nous entourent pour renforcer encore cette oh non Bissou kaka ne mtotozali awa. Nous créons des lois, nous voulons à ce que cour constitutionnelle les allait pas na Bissou. Nous ne faisons que bâtir notre pays sur, disons, la continuité de ce pays sur le sable. Et Kokweya, jour où nous sommes ceux qui va s'allier au coup d'État, la même personne viendrait, il dira que non, dirigeons avec la même constitution pour que à se refaire santé économique, dans ma poche, dans ma bango. Parce que le système n'est même pas de garde-fous. Regardez l'appareil judiciaire que nous proclamons que c'est l'état de droit, oh la justice élève une nation. Mais l'appareil judiciaire n'a pas besoin de fonctionner d'engénie. Vraiment, c'est. Au comment on a un jugement, et ça, deux poids, deux mesures, au comprendre. Quelqu'un qu'on a arrêté pendant pour un détournement à Mambongo, 10 mois après. Vous que les graciers à Zongi. Est-ce que Moutouana a se corrigé qu'il va reprendre la même chose? Structure ni nango tozo sala pona ba investissement. Regardez, ici aujourd'hui, toye bakate, nzokande na budget à parlement à la kasuki 29 millions de dollars na chaque session. Donc, quand vous calculez les 3 sessions parlementaires, oezalaka prévues par an, donc, déjà à peu près 100 000 dollars, 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Bandeko, il faut tout à la nanou. Donc, à chaque fois, Moutouso Kayebi a commis parlementaire, a commis Konginda. Et comme il a été à Kozouambongo, et comme il a été à se refaire à poche naye. Babilo Kouana Nyonsu, et ça, système Oeza Awa. Nous disons ceci. Ce qui est loco échangé, et loco moussousou, et que ça le maté. Si cette histoire ne change pas, si on ne change pas la structure de l'État, et loco moko et que ça le maté. Alors, qu'est-ce que nous disons? Tozo lobe la nini, awa. Biso to lobi boi. Enfin, quand nous réfléchissons sur la constitution même de notre pays, yo moko président de la République, toyebi, tout Congolais sait que la constitution oeza taillé sur mesure, yabatou. Donc, on l'a fait pour que quelqu'un puisse faire. Par exemple, Kobunda, oh, le premier ministre, na président de la République, Bazako Yokanate, donc il y a une certaine cacophonie. C'est grâce à la Constitution. Constitution, oh, et ça là, qui que non. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit le dictateur. Il faut qu'il y ait des domaines de collaboration entre le premier ministre et le président de la République. Le président de la République peut préside peut-être les conseils ministériels, mais le ministre est celui qui a la charge, qui répond, qui est en charge vis-à-vis du Parlement. Lelo o le président de la République a besoin de majorité parlementaire. Il doit se faire absolument une majorité parlementaire avec les gens qu'il sait que batou oyo bazana idéologie nangai batou oyo bazako adhéré na idéologie nangai. Nous proposons ceci. Président de la République azalaki na deux options. Option à solonde à boy. Option mi balon azalaki que non a recadrer, requalifier la majorité au Parlement afin que ba idéologie nae banda ko kende koleka. Donc, c'est disant que s'il a un premier ministre au hasard en obédience naïe,
Premier ministre wana bakobanda ko collaborer bien bakobanda ko sala donc mitindo na ye kobanda ko sala exécuter na premier ministre wana donc tout en oubliant la constitution. Ya wana biso to lobby boy. Nous disons ceci. La deuxième option des alaki option à solo. Organiser donc dissoudre carrément parlement oyo. Renvoyer batou oyo ba kende ti na ba population. Ces gens qui sont au parlement, nous les connaissons les aujourd'hui. Le peuple ba peuple ba yebi bango. Peuple yebi bango yebi ke batou oyo baza ba miyibi batou oyo baza boy. Pour renouveler la classe politique, na ko sa le loko tinda ba peuple demander au peuple de désigner encore de nouveaux parlementaires. Bah, vous n'avez pas, osa interdité. Vous avez cette possibilité de dissoudre le parlement et réorganiser une élection parlementaire anticipée seulement. Nous avions entendu des juristes qui défendaient cette option-là en disant que ceux qui ont, mais même dans votre discours, vous aviez dit que si vous n'avez pas de majorité, vous allez dissoudre ce parlement. Regardez les gens qui viennent dans votre majorité. Calibre Niniango, Batou Niniango. Ce sont les mêmes personnes que la population est en train de rejeter. Alors, ils se revêtent de cette casquette ya Kolobano. Mokonzindeyo, to adhéré na banane na yo. Donc, refuge na bango komi kuna. Ato lobi ke non, okosale. Mais le peuple est en train d'attendre de nouvelles têtes. Supposez que majorité wana ezwami oh ok batwana bakopi koti na union sacrée wana na union sacrée wana batu majorité esalemi lisusu et komi batu FCC nde mutu baza majorité puisqu'on l'attend déjà batu bahati n'est pas quelqu'un qui est saint. Bahati aza mutu moko aza ki mouibi. Comment quelqu'un qui peut dans un laps de temps aza à peu près na 500 maisons na côté à Nord Kivu, il a des dossiers, il a deux mains sales aussi, excusez-moi le terme. Mais le problème c'est que renvoyer tout le monde, bah tout le monde surtout qu'il ne consacre la campagne pour que Oyebi sa peuple que non, voici ce que nous allons faire. Bah peuple, nous voulons les députés qui viendront au Parlement avec deux missions. Mission à Liboso, Tobongisana, nous structure en Boka, Tobongisango, Pierre. Structure à mboka tolingi mouyi bien si la tolingi batu oyo mboka nabiso ekotambola par exemple avec une décentralisation. Ceux qui seront élus par exemple naba koyana parlement, leur mission sera idée na yo zali. Il faut faire déjà passer cette histoire là. ABCD, changement à la constitution. Il y a appareil judiciaire, restructuration à l'État. L'État doit fonctionner dans une décentralisation, où il y a un gouverneur, un administrateur de territoire, basé dans le pouvoir. Pouvoir est qu'il y a un peuple, pour que le peuple puisse commencer à contrôler. Il y a un temps où il y a un peu de Congo et Sika. Mibeko y a un peu de Congo et Sika. Nous devons passer à une 5e république. Il faut que tout kende na république ya sika oyo tozana batu oyo vraiment na tango oyo peuple a poni. Alors les gens se posent la question, oh mbongo ko uta wapi, nous avons vu Kabila dans 6 mois à sala ki ba élection nyonso sans l'apport extérieur. Pourquoi est-ce que tango tolingi to sala makambo a solo nde toloba ke mbongo zate? Mais lorsqu'il s'agit de faire des sommes de moutons mbongo ezali, Kabila avait laissé l'argent dans la caisse de l'État.
Les lois au Mbongwana, ça fait des années, Mbongwana s'est dissipé kakaboy. Donc on ne peut pas dire que non, on peut dire que non, Mbongo est zate. Mbongo a kofuta ba parlementaire, ou a fouana, bazaï, Mbongo est komona. Et les histoires qui sortiront là n'avanceront jamais le pays. Et là, nous sommes vraiment très sûrs. Et ça, la nani, nanité. Et au comme ça, Mboka n'a pas ici à mon côté. Alors. Nous nous sommes dit, il y a aussi, au moins étant vous avez créé Babylon, vous créez une école militaire, une école de guerre. Importance n'angoza wapi, pendant que nous avons l'école supérieure militaire Ezali, il faut renforcer ces gens-là. Nous avons les faux qui est là, qui fait des officiers. Bah, école wana nyoso Ezali, pour créer encore des institutions, nous sommes en train de nous perdre, monsieur le président. Peuple congolais, to fungola miso. Biloko o nyoso tozo kenenango sur une base de faux et kosuka akama be. Après quelques temps, vous allez voir, par exemple, je ne dis pas que ça sera comme ça, mais ce que les gens s'entendent, naba maloba o, yabatu o bazoya na union sacrée, bazoya kolobarbite. Nous adhérons à cette histoire-là. Union sacrée, on est comme un conglomérat yabatu moko o yakala. Ils auront la majorité même dans cette union sacrée. C'est pour cela que nous demandons à ce que le président puisse faire encore un pas en arrière comme il l'a toujours fait. Parce que soko sali pas en arrière à Koloba, nandengyo tozo kendeboy, ekosimbate. Prenons les mesures drastiques à renvoyer tous ces parlementaires parce que vous avez besoin des gens. Véritable, le peuple te donnera le vrai parlementaire. On va adhérer nanani nayo, na idéologie nayo. Tant au quoi ça bango, nous devons changer la constitution à ce que le président ou bien quoi. Nous batwa maye le fou basa la o basa pembeni nayo. Nous devons prendre des mesures et moi je disais même le problème de Beni, problème au ezana ba place no soana. Et qu'on s'en a résolu dans une solution globale à la République démocratique du Congo. Ça ne se passera pas seulement à ce que oh, tu résoudre, oh, tu sali, tu consili sa nani guerre na est nete. Les gens sont en train de réclamer là-bas. La pauvreté est de l'autre côté. Aucun Mbandaka, aucun Akasai, aucun Wapi, il y a une certaine pauvreté. Les gens ne sont pas en possession de leurs moyens pour développer leur pays, leur contrée. C'est pour cela que nous disons, structure Nabiso, il faut absolument, par parlementaire et sika ya solo, au peuple, n'attendons pas au bakoki ko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 k